Bonjour amis Balance et bienvenue pour votre guidance collective pour ce mois de mai 2021. Alors vous avez la carte des chemins ici en énergie centrale pour votre mois de mai amis Balance. Donc là, écoutez, il va falloir que vous preniez des décisions à prendre certaines directions plutôt que d'autres. Il y a cette notion aussi de choix, d'accord? De plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous, mais il va falloir prendre une direction plutôt qu'une autre. Hein. Bon, il y a une énergie également oui, j'ai beaucoup de déplacements également, mais surtout cette notion de devoir prendre certaines directions ici. Ouais. Ou essayer, j'ai ça aussi, ou essayer le fait de devoir gérer plusieurs directions et de bouger beaucoup, hein, d'aller un coup à droite, un coup à gauche. Enfin voilà, il y a ça aussi. Mais en tout cas, là, ici, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée d'un nouveau cycle, hein, qui se met en place dans votre vie. Ouais, vous êtes très protégé, très guidé, hein. Ouais. Forte présence ici de vos anges, de vos proches défunts près de vous pour vous aider à prendre certaines directions. Une grande énergie où ce que je vous disais, hein, il y a beaucoup de possibilités de portes qui peuvent s'ouvrir pour vous et bénéfiquement si vous acceptez de les ouvrir. Il y a de très belles offres très intéressantes ici pour vous, amis Balance. Ça peut être sur le contexte professionnel, ça peut être sur le contexte financier. Là, on a vraiment de très belles portes qui. Oui, et puis ce sont des offres qui sont vraiment très intéressantes pour vous, hein. Ouais. Vous prenez une ascension, vous prenez une élévation. On parle de changement, hein, de transformation qui vous amèneront sur de la progression. Mais il va falloir, voilà, prendre certaines décisions. Et bah écoutez, soyez rassurés, vous saurez faire les bons choix, les choix qui seront en accord avec vous, hein, avec ce que vous souhaitez. Et puis vous prendrez le choix de prendre des directions qui vous conviennent, qui vous épanouissent, hein, tout simplement, hein. Ouais, vous allez être beaucoup à votre écoute, hein. Vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez écouter votre intuition. Vous êtes très sensitif et extrêmement guidé, comme je vous le disais au début de votre tirage. Ouais, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, hein. Vous êtes totalement sur un nouveau cycle. Alors bien sûr, on vous parle de cette saison du printemps, mais là, ouais, le fait de prendre certaines directions plutôt que d'autres vous permet un épanouissement personnel ici pour vous, amis Balance. Et de toute façon, c'est action-réaction, hein. Il y a du mouvement, ça bouge ici. Alors oui, beaucoup de déplacements, hein, sur la route ici pour certains et certaines d'entre vous également. Bon, des déplacements qui se passent parfaitement bien. Mais vous allez totalement vers de nouveaux objectifs. Puis on voit bien que ces portes qui s'offrent à vous vont vous élever, vont vous faire grandir. Certes, vous amènent des changements. Alors oui, il peut y avoir des déménagements ici également pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir des mutations professionnelles. Mais il y a une grande énergie transformatrice pour vous sur ce mois de mai. Alors, avec le Béline, vous avez la grâce, le hasard et la carte bleue. Eh bien, écoutez, comme avec le 77, vous êtes extrêmement guidé par la destinée, par vos anges, par vos guides, par vos proches défunts, amis Balance ici. Prêtez attention aux signes, prêtez attention aux signes que la destinée vous envoie, que l'on vous met en chemin. Vous êtes très protégé et guidé. On vous confirme ici que il y a des opportunités ici qui vont arriver. Voilà, on parle d'heureux hasard, d'heureuse coïncidence, même si ici, de toute façon, c'est bien montré, la coïncidence n'existe pas, puisqu'ici, ça vous est envoyé par vos anges, par vos guides, par la destinée, hein. Ouais. Là, on vous apporte de beaux cadeaux du ciel, en fait, hein, tout simplement, hein. Ouais. Il y a une très belle énergie. Là-dessus, ouais, vous êtes très protégé, et là, voilà, on voit un épanouissement de l'expansion pour vous, d'accord? Alors, l'épanouissement personnel, autant de l'épanouissement par de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, génial. Alors, sur le plan sentimental, vous avez le 8 des étoiles, vous avez le soleil,
et la magicienne, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. D'accord? Bon, là ici, il y a des choses qui vont se mettre en place rapidement dans votre contexte sentimental. Il y a une énergie de grande rapidité. Il y a, comment dire, il y a des communications, hein, de toute façon, mais il y a des propositions ici qui sont faites et il y a le fait de se sentir un peu dépassé, d'accord? Dépassé. Il y a des coups de cœur, il y a des coups de foudre, on est sur des amours très, très, très forts avec de grands élans, de grandes ambitions. Et voilà, vous pourriez vous sentir un petit peu clopin-clopin, c'est-à-dire un petit peu en roue libre, parce que ça, voilà, ça arrive très très vite ici. Les choses se mettent en place même très rapidement, mais il y a une grande réussite, autant avec ce 8 des étoiles qu'avec ce soleil. Il y a de l'épanouissement ici, là-dessus. Il y a le fait de se sentir bien, de se sentir réalisé. Il y a beaucoup d'amour ici, hein. On est sur un amour mutuel, un amour inconditionnel également. C'est très chaleureux, c'est très réjouissant. Ça brille, d'accord? Ça brille. Et puis, il y a une joie qui est contagieuse ici. Et puis, on met des choses en place. La communication est très, très importante ici pour vous, Ami Balance. On voit que il va y avoir des étapes supplémentaires ici qui se mettent en place, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs si vous êtes en couple, mais sinon si vous n'êtes pas en couple, ami célibataire, c'est un amour qui arrive rapidement, vous ne vous y attendez pas, et rapidement on met quelque chose en place. Mais de toute façon, on sait ce qu'on veut ici, hein, c'est action-réaction, on agit, on communique, voilà, on se lance et on s'y met à fond. De toute façon, ici, vous avez tous les outils en main, vous n'avez plus qu'à mettre votre expérience au sein de votre objectif ou de ce contexte sentimental en place, hein, de mettre les choses en action. Tout simplement. Voilà. Beaucoup de créativité également ici. Beaucoup de créativité. Hein. Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et on a envie de mettre même plein de choses en place ici. Hein. Donc voilà, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée, amis Balance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.